WordPress.com, les notes de bas de page, ou footnotes. Nous souhaiterions mettre des petites notes de bas de page dans nos pages web. Donc, salade de penne, il y a des petites notes à mettre et j'aimerais que ces notes apparaissent tout en bas sous mes boutons. Donc, on va déjà mettre peut-être un séparateur pour séparer la page des bas de page. Donc, pour faire ça, on va faire un petit plus ici et puis on va taper séparateur. Voilà, il me met un séparateur par défaut, c'est un petit trait, c'est parfait. On peut éventuellement changer la couleur du séparateur. J'ai des bordures bleues, on va maintenir ces bordures bleues. Ça fera comme ça un petit signe d'appartenance. Et puis en dessous, on va rajouter un footnotes. Voilà, donc dès que je tape FO sur le plus FO, il me trouve footnotes, qui va être un endroit qui va contenir l'ensemble des notes de bas de page. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre comme note de bas de page? Eh bien, la première sera juste après Pinot Noir. Donc, je vais remonter à Pinot Noir, vin rouge léger style Pinot Noir, et là, j'aimerais rajouter une petite note de bas de page. Donc, pour faire cela, je me positionne juste après Noir, et quand je clique sur les options, j'ai normalement Notes. Pardon, ici. Hop, ici, j'ai note, footnote. Voilà, donc dans le petit symbole là, supérieur, mais vers le bas, flèche vers le bas, footnote. Et donc là, il m'ajoute un petit 1. Et là, je vais mettre à consommer avec modération. Hop, on remonte en haut et on a notre petit 1 qui est ici, bien placé. Alors, que se passe-t-il si maintenant on rajoute une deuxième note de bas de page? Si on la met en dessous, elle sera bien sûr numérotée 2. Mais imaginons que juste après huile d'olive, je veuille rajouter quelque chose. Huile d'olive, il est au-dessus. Huile d'olive, hop, même principe. Je clique sur la petite flèche vers le bas. Footnotes. Et vous voyez que le 1 est renommé 2, à consommer avec modération. Et là, j'ai 8 d'olive qui est renuméroté 1. Et là, on va mettre... Il est important d'utiliser une huile d'olive extra vierge. Il est important d'utiliser une huile d'olive extra vierge. On clique sur la petite flèche pour remonter, voir où ça m'amène. Donc, on a bien notre petit 1 qui est là et notre petit 2 qui est ici à présent. Un simple clic me ramène, bien sûr, en bas. On va mettre à jour et nos notes de bas de page apparaissent correctement. Si je bascule ici, que je reviens sur Avotoc et que je viens sur Salade de Penne qui était mon article sur lequel j'ai mis mes notes de bas de page. Donc mes notes, on les voit bien là. Je clique, j'arrive en bas sur mes notes de bas de page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et puis bien sûr de vous abonner. À très bientôt.